Voilà la vidéo de la fiche Géo3 sur les droites perpendiculaires. La définition à connaître par cœur. Deux droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en formant un angle droit. Ici, nous avons la droite D, nous avons la droite F. Elles sont perpendiculaires, donc on met un petit carré rouge. Technique de construction. Pour tracer deux droites perpendiculaires, on utilise une équerre et une règle. Tout d'abord, on trace une droite. Puis, à l'aide d'une équerre, en positionnant un des côtés de l'angle droit sur la droite, on trace la perpendiculaire. Puis, avec une règle, on prolonge. Et enfin, on marque un petit carré pour dire qu'il y a un angle droit. Technique de vérification. Pour vérifier si deux droites sont perpendiculaires, on utilise également une équerre. Je place le côté de mon équerre le long de la droite, mais l'autre droite n'est pas le long de l'équerre, donc il n'y a pas de perpendiculaire. Même chose ici. La droite G n'est pas perpendiculaire à F. Et enfin, dernier cas, nous avons ici un angle droit. H est perpendiculaire à F. Maintenant, c'est à toi de jouer.